Attention, les crash tests de cette vidéo sont réalisés par des professionnels et effectués avec des véhicules hors d'usage qui auraient été détruits dans tous les cas. Pour votre sécurité et celle de votre entourage, n'essayez surtout pas de les reproduire. Regarde, on est pas bien là. Il fait beau, hein, franchement. Non, attends, c'est sympa. On se croit sur la côte. Il est incroyable. Hein. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. On est où là? On est en Bretagne, sur la plage de sable blanc. Il fait super chaud. Comme quoi en Bretagne? Bah, il pleut pas souvent. Non. On dit qu'en Bretagne, il pleut que sur les cons. Et regardez, il pleut pas. Et pourtant, on est cons. Hein. On est là pour vous présenter une série de crash tests. Et d'ailleurs, on va passer tout l'été en Bretagne. Non, tout l'été en Bretagne. Tout l'été. À péter des caisses. On va péter de la Volkswagen. De la Renault. De la Fiat. De l'Opel. De la Peugeot. En attendant, je pense que on rentre directement dans le vif du sujet avec, je sais pas moi, une Ford Mondeo. Et une Ford Fiesta. C'est parti. Allez, duel de Ford. Allez, en attendant, jingle. Bon, c'est bon les figurants, vous pouvez rentrer chez vous. Terminé. C'est bon. Fin de journée. La lumière, le chauffage, merci, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, allez, vite, nickel. Donne-moi une veste. Coupe le fond vert, là. Donne-moi une veste. Regarde, on va péter ça. Des Ford. Des Ford. Une Ford Fiesta, une Ford Mondeo. Bon, il manque un peu des bouts. Mais ça t'inquiète, je vais m'en occuper, je vais les refaire neuves. Tu sais, bon, où il est où encore? Je t'ai juste là. Ah, on va tout de suite aller voir si elle démarre. Ah oui. Parce que ça, on ne s'en faisait pas encore. Hein. Alors. Content. Mais elle démarre en plus, mais la chance. Petit moteur essence. On va pas trop forcer. Oh, tu me dis combien de kilomètres elle a? Elle a 207 087 km. Oh, ça va. C'est tout neuf. L'intérieur, il est comment? C'est particulier. Ouh, il y a deux airbags. C'est le tableau de bord le plus court que j'ai vu de ma vie. Elle est comment dedans, sinon? Sale. Mais ça, c'est normal. Ouais. Si on est un peu dans les champs, tout ça, donc il y a un peu de l'herbe, de la terre. Bon, ouvre le capot. J'ouvre le capal. Ah, bon, moi, c'est facile, hein. Tu cherches pas trop la gâche, il n'y a pas de calandre. Ah oui. Bon alors, il est comment ce petit moteur? Oh, si, celui-là, on le connaît. Oh, ça va, hein. Tu vois, ça c'est vraiment pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Quand tu tapes la batterie, elle touche le capot, là, tu prends feu immédiat. Ouais, surtout, non, mais c'est pas grave, on va voir. Allez. Ah, elle est là. Ah, voilà, en plus, elle est jaune. Attends, tu pouvais pas la manquer. Voilà, écoute, c'est un petit moteur. Et comme d'habitude, la voix off le fera pour moi. Merci, la voix off. Ouais, sinon, elle a l'air un peu... Voilà, après, sinon, en carrosserie, elle est nickel hein, pour une voiture pour l'instant de ces années-là. Mais lui, il doit marcher, le collègue. Mais d'où il sort, lui, le pauvre? Il est tombé dans l'eau. Lui, il sort pas du 14 volts, il te sort du 250. Ouais, lui, écoute-moi. Je sais pas ce qu'il sort, à mon avis, il sort plus du coffre. Pour ma petite Fiesta, je pense qu'on est bon. Allez, on va passer. Je vais présenter ta grosse Mondeo, parce que ça c'est... J'aime costaud, bien la Mondeo. Elle est là, la Mondeo. La Mondeo. Oh, regarde, il y a un chat qui a dû s'éclater avec. Bon, regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une grosse airbag. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, bon, ça j'ai mon... Non, Alexa, j'ai un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout de toi. Oh. Ils ont collé des trucs pour passer des câbles. Ah, des câbles? C'est pas une voiture électrique. Je sais pas, c'est peut-être pour l'antenne de télé, je sais pas. Enfin, bref, voilà. Ah oui, mais oui, regarde. C'est super dangereux, ça. Oui, à mon avis, il devait y avoir une civile, je sais pas quoi. Une voiture de police qui nous ont donné. Bon, la boîte à gants, elle fonctionne pas très très bien. Les airbags, ils y sont. Elle n'est pas neuve, hein? Elle n'est pas toute neuve. Elle a... Non. Mais non. 570 861 km quand même. Incroyable. Je savais même pas que ça pouvait exister, quoi. Ben franchement, moi non plus. Bon, après, l'intérieur. Oh, excellent. Comment dirais-je? C'est le repas de midi. Ben oui, regarde. Regarde, si ça, c'est pas un patron en or. Que les croûtes. Ça me fait plaisir. L'intérieur est propre. Hein? Ça va. Donc il manque 2-3 trucs dans les portières. Hein. Alors c'était un modèle spécial. Celle-ci, elle avait des portes qui étaient différentes de la couleur de la carrosserie. Oui, c'était... C'est une série spéciale. Mais c'est des voitures bicolores. C'est les bitons. Voilà, on appelle ça... C'est une biton. Une Ford Mondeo biton. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble,
Les jantes sont propres. Regarde-moi ça, l'arrière est à peu près propre, hein, tu vois. Là aussi, on a du biton partout. Oui, voilà, la trappe à essence, les ports. Alors, c'est une Mondeo Phase 2, c'est un diesel. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que le chef, il a pas vu le rail. Hein. Ah, ça c'est rien, ça c'est... Voilà. Le pare-choc est un peu décroché, mais regarde-moi c'est pareil. Ça. Je vais tout réparer, tout ça. Tu vas tout me réparer? Oui. Ça va être un grand moment. Bon, t'as vu, on a la même barre de capot. Oui, bah, ils sont pas foulés chez Ford. Hein. C'est les mêmes. Je veux dire, c'est les mêmes bouts. Bon, ah bah tiens, regarde, je vais filmer un peu les longerons. Ah ouais, filme bien les longerons, comme ça on verra un peu ce que ça donne. Ils seront plus vraiment dans cet état-là. Ouais, hein. Tu sais quoi, je sais pas. Je sais pas parce que je... Maintenant, je peux me tromper, mais en général, c'est relativement costaud quand même. Ah, ça veut dire que toi, à l'intérieur, ça veut dire que le choc, il est relativement costaud. Je vous présente le fusible. Donc, ouais, ça va être un grand moment. Bon, on y va. Allez. Parce que c'est du boulot. Et non, j'ai loupé. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, là on est dimanche. Et alors, et le dimanche, tu peux pas péter rétro? C'est dimanche. Et alors? Et vous savez quoi? Pour vous, logiquement, si vous regardez la vidéo qui vient de sortir... Mais c'est dimanche! C'est dimanche aussi! Et, bah, et vous savez quoi? C'est exactement les mêmes heures. Parce que Pascal, il vient de finir la redite d'une vidéo qui vient de finir. Et oui. Il a fait la première. Et n'oubliez pas que pendant les premières, Pascal, il reste, je dirais, une demi-heure pendant la première à répondre à vos questions directes. Pendant que lui, il était en train de bosser. Voilà, moi, je répondais à vos questions. Bon, allez, on y va, on a du boulot, là. Il faut y aller. T'as avancé pour toi? Attends, je me filme, j'ai pas mis mon micro. On s'en fout que tu n'as pas mis ton micro. Regarde, moi, je l'ai. Eh bien, écoute, je t'avais dit que je te les ferais neuves. Regarde, hein, je vais l'acheter une calandre chez le marchand. Bah, il faut, hein. De toute façon je t'avais demandé, voilà. Tu t'es avancé donc forcément. Elle, je vais pas mytho, je l'ai retrouvé dans le coffre. Ah. Voilà. Je t'ai fait un magnifique feu soupe. Non, pas trop fort, Le monteur, tu rajoutes non, le même pas, bruit. Touche pas. Voilà. Mais regarde, regarde, viens. 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 De là, regarde. Regarde. C'est la même chose. Il faut regarder vite. On me voit même pas. Oui. Mais non, on voit même pas. Non, c'est voilà. Vrai. Après, bon, je t'ai pas redressé l'aile, hein, parce que bon, on n'est pas non plus pas ouais, mais enfin, attends, si tu te mets devant l'aile, vas-y, mets-toi devant l'aile. Ah, elle est neuve. Tiens. Non, elle est parfaite. Là, je t'ai fixé le pare-choc qui tombait, enfin, tout est nickel. Ah, te relève pas, mais voilà, là, c'est bien. Non, elle est parfaite. Non, c'est bien. Bon, nous sommes en Bretagne. Bon, le ciel bleu... Ah, allez, tu vois, pour une allons voir Kevin. Bon, tu nous mets la GoPro là. Ouais. Donc là, on a une vitre qui va donc normalement regarder. Donc c'est toi qui casse la fiesta. Mais c'est quoi, regarde. Pour le kiff, ouais. Et parce que c'est vous, je vous la mets en avant-première, regarde. Bon, t'as vu, ça a claqué. Mais c'est parce que c'est vous, hein. Maintenant, il va falloir attendre pour voir le reste des chocs. Ouais, allez, on y va. Bon, il y a du monde, hein, t'as vu. Oh là là. Bon, aujourd'hui, je me fais la Mondeo. Grand moment. Bon, tu vois, il manquait une voiture, bah, elle vient d'arriver. Bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour les crashs de demain. Mais voilà, ça va être un grand moment quand même, une 405 break. Une 405. C'est mieux, moi j'ai jamais cassé. Si je peux la casser, ça m'arrange. Allez, je te l'offre, c'est ah, pour toi. Yes. Oh, cadeau. Et voilà, en live, il a fait une connerie. Alors, voix off, t'es gentil toi. Hein. Bon, il faut savoir que la Ford Fiesta a été produite par le constructeur américain Ford ainsi que Ford Europe depuis 1976 et qu'il y a eu 6 versions de Fiesta. C'est fou ça, non? Celle qu'on va détruire aujourd'hui est une Fiesta 4 Phase 2, produite de 1999 à 2002. La nôtre est une version de base équipée du petit moteur 1300 cm3 de 60 chevals. Alors, la Ford Mondeo est la digne remplaçante de la Ford Sierra, mais contrairement à la Sierra, la Ford Mondeo est une traction. Moi, j'adore les propulsions, mais bon, on s'en fout. Hein. Bon, il y a eu pas mal de problèmes sur la Phase 1, notamment au niveau des matériaux de mauvaise qualité, au niveau du tableau de bord, ça fissurait partout, c'était un carnage. Avec la note, aucun souci, c'est une version restylée, phase 2. Côté motorisation, sinon c'est le 1.8 TD de 90 chevaux. Bon, allez, on pète tout ça. Bon, tu es en train de t'équiper là? Ouais, il faut bien. C'est le moment de faire le crash, quoi. Ben oui, c'est bien beau de les préparer, de faire la vidéo, mais là, ce coup-ci, on y va là. On rigole plus là. Ben, ouais. Allez, j'y vais. Allez, c'est parti. Thank you.
énorme. Tu sais comme il a glissé le scooter. Ben oui, t'as vu la mandale avec tu. La voiture jamais elle s'est arrêtée. Ben oui, j'ai vu ça. Bon, on est prêt. Hein, tu es prêt à y aller? Grand moment. Alors, est-ce qu'ils vont sortir les airbags? Moi, j'ai ma petite idée. Mais bon, je dis rien pour l'instant. Hein, de toute façon, j'ai une chance sur deux. Bon, alors, on est dans la Ford Mondeo. On va voir un petit peu ce que ça donne. 50 km/h, encore une fois. Ah, la Ford Fiesta, de mémoire, je crois que c'est un petit peu costaud. Et la Mondeo aussi. Donc, ça devrait taper pas mal. Allez, on se concentre et on y va. Airbag, pas airbag, c'est parti. La fumée qu'il y a, Pascal, ça a claqué, non hein? Et regarde, malgré l'airbag, encore une fois, le pare-brise est fracturé. Les airbags qui sont déclenchés. Énorme, cela d'airbag. Regarde-moi ce ciel bleu. Il est magnifique, ce ciel bleu. Oui, c'est clair. Hein? Ce bleu gris. Ouais. Bon, on s'en fout. Allez, on est là pour parler de ta Fiesta, parce que... Mais ton choc de l'extérieur, l'onde de choc, moi j'étais très près en plus. Ouais. Elle était puissante. Hein. C'était un grand moment. Ah ouais. Et d'ailleurs... Moi, je vous le dis par expérience, normalement, une Fiesta, c'est très, très costaud. Et ben là, elle s'est beaucoup déformée, la Fiesta. Alors moi, je confirme, c'est très, très costaud. Très costaud. Tu verras tout à l'heure. Allez, voilà. On attaque par la Fiesta, justement. Allez, alors, ben comment ça s'est passé? Ben écoute, moi, mon choc scooter, il s'est bien passé. Oui. Sauf que les airbags sont pas sortis. Je pense que le scooter était peut-être un petit peu léger. Hein, on il est bien d'accord. Un peu petit, mais oui, mais sortir, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, je crois, de souvenir, je crois que le voyant airbag était allumé. Bon, par contre, ma Fiesta, ça y est, elle a fait sa puberté, regarde. Elle commence à avoir des petits poils qui poussent, elle a la barbe. Pauvrette. Elle en a plus que moi, quoi. Non, c'est surtout incroyable. C'est surtout le mannequin qui est venu mettre une belle mandale dans le pare-brise. Hein. Allez, on attaque directement par le moteur. Direct le moteur. Ouais. Allez. Bon, alors, on va voir un peu, bon, même si... On a un feu pété. Moi, je suis quasiment certain du résultat de l'intérieur. Regarde, attention, attention. Magicien. Oh là là, Houdini. Bon, c'est pas grave. Allez, allons voir ça de plus près. Ah, la calandre. En plus, c'est bien. Tu sais, celle-là, elle avait pas de calandre. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est moi qui l'ai refixée. À ta manière, voilà. Avec un riselant. Connaissez le système, hein. Merde plus merde égale propreté. Voilà, ça y est, l'enlevé. Et bien, regarde-moi cette traverse. Oh oui. Elle est massacrée. Ah, bah ouais, quand même, un petit peu. Donc, voilà, on voit qu'elle avait peut-être un petit point de rouille, donc peut-être une petite fragilité. Traverse, elle a bien plié. Si, la traverse, elle a plié. Bon, longeron un petit bout. Le bout de longeron, mais ouais, un petit peu. Bah, et encore. Le feu tient. Et là, il a carrément plié, là. Non. Tu vois, un petit peu. Non, en fait, c'est juste le bout. Non, ouais, en fait, il est juste tordu un peu. Ouais, ouais. Voilà, attends, regarde. Non, il n'a rien. C'est juste la partie là qui s'est. Il a rien, mais il a un poil tordu comme ça. Exactement. Voilà. Ferme-moi ce capot. Après, dans l'ensemble, voilà, rien à bouger. Bon, après, le radiateur, il ne fuit même pas. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle redémarre. Exactement, c'est ce que j'allais faire, Pascal. Eh oui. Eh oh hein ouais, travaille. Excuse-moi, démarre, j'étais ça. Fatigué. Et tu sais, c'est pas facile d'avoir tout le temps des accidents je comme sais. Ça. Oh, une merveille. Une merveille. C'est toi qui l'as arrêté? Non. Ah, une merveille. Tu sais ce que c'est? C'est le bouton. Il n'y a pas de bouton pour moi sur les Ford. Allez. Eh ben non, elle a redémarré, mais elle s'est arrêtée. C'est ben, fini, oui, oui, fini ça veut dire qu'en fait, elle, c'est resté en essence dans l'injection. Enfin, Je pense la que... La pompe à essence est coupée. Terminé. Ferme voilà. Ton capot. Elle sait qu'elle a eu un accident. Donc, viens voir le choc latéral. Parce que bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Fiesta, on en a fait plusieurs. Quand on a une Fiesta, on graisse un peu dedans avec Pascal parce que... Ouais, on fait chifoumi toujours pour ça. Fiesta, c'est des bonnes voitures pour se faire rentrer dedans, c'est bien solide. Alors c'est excellent, on n'a rien touché, regarde. Voilà. Regarde, il y a bien l'empreinte. Il reprend sa place, il y a même les chiffres qui sont un peu marqués et c'est tout. Vrai. Bon, tu vois bien les grosses barres de renfort. Qui sont situés en plein ouais, ouais, on les voit bien, on les voit et bien. Et qui ont quand même bien fonctionné. Parce oui, que... ils ont bien fonctionné parce que je l'ai ressenti, moi, voilà. Le choc. Quand tu crois, c'est des vieilles voitures, quand même. Hein. Exactement. C'est quelle année, ça? Ouais, celle-ci, ça doit être une 99, un truc comme ça, peut-être. Voilà. Mais on a des 206 qui plient beaucoup plus que ça. Les 206, voilà. Et qui 206, sont 98, c'est un peu plus 99. Mou que ça. Alors, ouais. Donc, Ford, pour ça, je vous mets un super point parce que les Fiesta, elles sont nickel. Ouais. Là, tu vois bien qu'il y a l'empreinte du montant qui est bienvenue solidifier le tout. Le montant, il est dur, je vous le dis. Bon, bon non, bien tu sûr, pas l'ouvrir. Les portes ne s'ouvrent pas, c'est logique. Bien, on va essayer d'aller voir dedans. Il faut les clés.
Bah on va passer par la porte arrière, hein. Alors, ça a quand même bien plié, mais montre-moi. Je voulais arracher le panneau de porte, mais il tient drôlement bien. Voilà, tu vois le gros renfort, la barre, la ronde. Ouais. Tu la vois ici, ouais. Voilà, qui vient bien ralentir et solidifier la caisse. Ben ça c'est costaud, hein, croyez-moi. Voilà. Bon par contre, tu vois que le plancher. Ah ouais, ben il a travaillé un peu. Le pli, les plis qu'il y a là. Bon, allez, hop, on passe à la Mondeo. À toi. Alors ce match fort. La Mondeo, je connais la Mondeo. Ça fait mal. Et alors en plus quand tu tapes une Fiesta, ça fait doublement mal. Déjà les airbags sont sortis, ça c'est bien. Les airbags? Oui. Non, il y avait un airbag. Un airbag et un frigo. Voilà, c'est pas un airbag. C'est vrai, c'était un frigo l'autre. Il est énorme. Non, ça me fait penser, tu sais, au nouveau lave-vaisselle, Bob. C'est énorme, à l'intérieur de la voiture, j'ai dit mais où je suis? Mais regarde ce truc. Celui-là est pas mal aussi, hein. C'est énorme. Un bébé parachute. En plus j'étais là, donc il était vraiment autour de moi. Dans ta tête. Ah ben j'étais dedans, hein, carrément. Dedans, sinon, bon comportement, ça a tapé. Impeccable. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé devant. Et ouais, ensuite, on essaiera de la démarrer. De l'extérieur, on dirait qu'il n'y a pas de. Ou alors, tu sais quoi? On va la démarrer d'abord. Comme ça, je vais la reculer un petit peu. Eh ben, allez, facile. Pourquoi pas, ça, mais ça change. Est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'elle démarre? Ça, je peux rien te promettre. Mais oui! Ça marche très bien. Je suis étonné quand même. Hein. Alors on va ouvrir un peu. Un petit tour en attendant là. Et moi je m'attends un petit peu. On va pas calculer là parce qu'elle était déjà abîmée l'aile, mais elle a plié jusqu'à là. Bah, elle a plié là, là ouais. Voilà. Alors on a traverse en plastique, on a des traverses. On a des voitures qui n'ont pas de traverse. On en a qui ont des pare-chocs en fibre. Et là, vous voyez, Ford, ils ont mis des. Alors c'est une genre de mousse. Bah, ça j'aime pas parce que ça éclate en général, ça part en morceaux, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais. Et sur ouais. Ouais, voilà. L'avantage, tu vois, c'est qu'au moins pour faire l'étude de l'accidentologie, c'est. Ah! La traverse en mouche cache surtout une traverse en ferraille, voilà, qui est tordue. Alors, bien sûr, cette calandre, c'est moi qui l'ai remis aussi, donc je vais la renlever proprement. Ouais, parce que là, on a fait une calandre. Oh, regarde, ah. Mais tu vois, regarde. Tu vois, c'est tordu, mais pas mais bon. Moins que d'habitude. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur... Là, on dirait un choc scooter, alors qu'elle est rentrée dans une voiture, quand même. Exactement, et c'est pour ça qu'à l'intérieur, le choc était vraiment violent pour moi, quoi, tu vois. C'est très solide, voilà. C'est très costaud. Mais tu sais quoi? J'ai envie de dire, c'est trop costaud. Et oui, mais c'est ce qu'on dit, hein. Vaut mieux qu'une voiture se déforme. C'est la voiture qui fait fusible. Et voilà. Si la voiture ne se déforme pas, c'est que c'est quelque chose d'autre qui fait fusible. Et c'était cervical. C'est cervical. Et là, donc forcément, ben, le choc est très violent. Et en plus, on avait deux voitures qui se déformaient pas trop, donc, mais ça, on le savait au départ. Hein. Bon, là, regarde, au niveau radiateur, ça fuit pas. Les longerons, ils ont pas bougé. Il n'y a rien. Non, en fait, elle a rien, mais c'est un très mauvais point. Quand ouais, voilà, parce que là, j'ai envie de dire que sur une voiture comme ça, si elle serait vraiment récente, etc., mais si elle serait récente, elle plierait. Hein. Mais à l'époque, on va dire, une voiture comme ça, elle était presque réparable. Voilà. Bah oui, ouais. Elle sort d'usine, voilà. Elle tape un pare-brise, un pare-choc et c'était bon. Ouais, le phare n'est pas cassé. Il n'y a pas d'encoche cassée. Ah ouais, ouais, il tient carrément. Le phare, ouais. Il est nickel. Bon, par contre, t'as pété un peu lui, quoi. Hein. Ouais, bah ouais, faut pas déconner quand même. De ce côté-là, tout va bien. C'est rare quand même qu'on casse pas de phare. Hein. C'est rare. Hein, enfin, les fixations normalement sont toujours pétées. Voilà ce qu'on peut dire sur la Mondeo. Ça démarre, ça se déforme pas, les airbags sont énormes. J'y donne une note ouais, assez basse. Pour moi, parce que c'est un véhicule et le choc a été violent, j'y donne. Allez, 5 sur 10. Parce que nous, on est au harnais. Ouais. Quand t'es à la ceinture, ouais, là, t'as de fortes chances de te démettre une épaule. Ah bah, elle se déboîte. Hein. Et là, je te garantis qu'au niveau cervical, tu vas aller chez l'ostéo pendant de suite et puis ça va durer longtemps, l'accident. Ouais, moi, pour moi, c'est 5. La Mondeo, je savais que c'était dur. Et la Fiesta, toi, tu donnes quoi, du coup? Bah écoute, la Fiesta... Bon, c'est un choc scooter. Le scooter était très petit, donc les airbags sont pas sortis parce que l'airbag était petit et puis il y avait le voyant. Je vais pas être méchant parce que j'aime bien le fait qu'elle soit bien costaud dans les portes. Eh oui, mais donc sûr, je vais ça. Je vais donner une bonne note pour se faire rentrer dedans, c'est parfait. Bah, je vais un petit 8 quand même, hein, parce qu'elle est sympa cette voiture. Ouais, ouais, ouais. Ça absorbe bien les chocs, t'es bien protégé dedans. Bon, t'as un peu mal aux cheveux quand même. Mais elle s'est pris une locomotive. Mais voilà, et puis pris, un truc qui plie pas. Elle s'est pris un bateau. Hein. Et là, on le voit quand même, il y a rien qui voilà. Plie. Donc, ouais, ouais. Tu sais quoi, même 8,5. Hein, et parce ben, que c'est une super voiture. Monsieur généreux. Voilà. Bon, allez, on passe à la finale. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ouais, parce que les cervicales de Pascal, ça leur a moins plu par contre. Hein. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est notre métier, on le sait. On sait qu'on va pas faire des croissants le matin. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Hein, le plus gros qui puisse. Le plus gros. Ouais, franchement, hein. Allez-y. Bien comme ça. Et puis surtout, vous nous laissez vos commentaires comme d'habitude, ça c'est important. Ah, on est aussi sur Insta, toujours, je le dis, je le répète. Ouais. Et mais nous, on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, un prochain qu'est-ce qu'on casse ou autre chose, je sais pas, mais bon, un prochain qu'est-ce qu'on casse. Si par commentaire, vous pouvez mettre la prochaine fois pas de pluie, ça nous arrangerait. Bon, allez, on y va. Prochaine vidéo, à bientôt. Allez. Bah, mais on peut pas partir avec les voitures, elles sont mortes.